Alors l'idée de drive-in, c'est qu'on passe énormément de temps dans nos voitures. Ouais, je pense, moi je passe énormément de temps. Je pense que chacun, on passe beaucoup de temps dans la voiture, chaque jour. Et je ne m'ennuie pas, moi. J'ai l'impression que c'est un lieu, justement, où je peux être un petit peu au secret, un lieu où je peux me retirer. Et peut-être justement un lieu aussi où il est permis et possible, et peut-être même où il y a invitation à la méditation et à la prière. Le fait de passer énormément de temps dans la voiture et chaque jour me fait penser à ce verset merveilleux où Jésus nous dit « Je serai avec vous chaque jour ». Je me dis que la prière, le chemin de prière est profondément ce temps à passer dans le dialogue, dans la réflexion. Tout autour de moi, quand je suis en voiture, m'invite à regarder, à voir, à observer et me renvoie à ce que je vois et ce que j'observe de moi-même, de ce que je vis. Il y a aussi que dans la voiture, je ne peux pas m'endormir, je dois rester extrêmement attentif, éveillé. Il y a toute une série de choses qui peuvent être des dangers potentiellement. Je ne peux pas m'endormir, c'est au péril de ma vie, quoi. Si je ne suis pas attentif, si je ne suis pas éveillé, si je ne prête plus attention à ce qu'il y a autour de moi, si je ne prête pas attention non plus aux règles, aux signaux qui me sont donnés, je risque en effet, je risque gros, je risque ma vie. Et tout ça me fait penser à notre vie de foi, un chemin de foi, de prière, un chemin de relation avec Dieu vraiment, où il s'agit d'être extrêmement attentif. Si on veut rester vivant profondément, si on veut rester en vie, si on veut rester en croissance, eh bien, il faut rester attentif, il faut rester extrêmement vigilant. Là, maintenant, là, si je m'endors, si je tombe endormi, si je suis distrait du chemin que je suis, c'est au péril de ma vie, je peux courir un grand danger. Ouais. Là, en ce moment, il fait glacial dans la voiture et alentour. Je sais que je vais me retrouver dans la voiture dans des moments où il fera extrêmement chaud. Des moments où la route sera lisse, d'autres moments où la route sera extrêmement difficile, chaotique, pleine de trous, de dépression. D'autres moments où il fera brouillard alentour, d'autres moments où il va pleuvoir très fort, que la visibilité sera réduite. Tout ça me fait penser profondément à nos vies, où on traverse et traversera des saisons où il fera extrêmement chaud, extrêmement glacial, des moments dans nos vies où il fera brouillard, où on n'y verra plus rien, des moments dans nos vies où on sera extrêmement stressé, très impatient, on subira beaucoup de... Voilà, et d'autres moments où le chemin sera complètement lisse, parfaitement dégagé et très heureux. Voilà, tout ça est... Je pense qu'entre la voiture, le chemin, le temps qu'on passe, tout ce qu'on peut observer autour de nous dans la voiture est en adéquation avec le chemin qu'on vit. Rester vivant, rester éveillé, rester extrêmement attentif et aussi être prêt à ces différentes circonstances, ces différentes saisons, en essayant d'abord et avant tout d'avancer, de continuer le chemin, d'être droit, quoi. Jésus nous parle de nous retirer dans un lieu secret pour prier et en beaucoup de choses. Moi, la voiture me fait penser à ce lieu secret. C'est comme une deuxième maison, en tout cas comme une chambre, un endroit qui est clos vraiment, un endroit où on peut être seul. L'espace de la voiture est forcément un lieu d'intimité. Le fait qu'il y a peu d'espace, voilà. Tout ça fait penser à une chambre secrète peut-être, ou à un lieu en tout cas où il est permis de prier et de méditer. Ouais.